Salut YouTube, c'est Chris. On se retrouve pour la suite des aventures de WolfQuest et je vous remercie vraiment beaucoup pour l'accueil que vous faites à la série, qui est un super accueil, que ce soit dans les commentaires, que ce soit dans les likes. Merci vraiment beaucoup à vous. Déjà, je vois que la série vous plaît, donc ça m'encourage à la continuer et à la passer en priorité au niveau des montages. Donc n'hésitez pas à continuer à liker et commenter pour ça, et ça me fait extrêmement plaisir de la tourner sur Twitch, cette série, parce que ça nous permet d'avoir des interactions. Vous venez me voir jouer en live, on se marre bien parce que je fais plein de conneries, et puis on papote, vous papotez avec moi, vous papotez avec les autres gens de la communauté. Du coup, ça fait des très bons moments qu'on partage, et je trouve ça génial, et je vous remercie vraiment beaucoup. Pour ceux qui ne seraient pas encore venus me voir en live, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, vous avez l'adresse dans la description, et je vais la remettre aussi dans le premier commentaire sous cette vidéo. C'est gratuit. Si vous voulez parler dans le chat, il vous faut juste un compte, mais encore une fois, la création du compte est gratuite. Venez passer un bon moment avec nous, que ce soit pour papoter directement avec moi ou alors pour papoter avec d'autres gens de la commu. C'est toujours très sympa de passer ces petits moments-là ensemble. Et je mets toujours dans mon programme, dans mon planning, que ce soit sur mon Discord communautaire, La Croisée, ou sur YouTube, ici dans l'onglet communauté, les heures et les jours de stream. Donc n'hésitez pas à aller voir par là-bas le prochain stream, voir ce qui vous intéresse un peu au niveau des jeux, puis à passer dire bonjour, vous serez forcément bien accueillis. Tant que vous êtes respectueux, tout se passe bien. Pour le résumé de l'épisode précédent, rappelez-vous, Medroth a battu son rival, qui l'empêchait d'accéder aux deux femelles qu'il convoitait, et il a fini par choisir, mais pas tellement choisir non plus, parce qu'il y a une femelle qui lui a mis le grappin dessus, il a dit oui. Et ils étaient en période d'essai, mais la période d'essai se passait pas bien du tout, puisque la femelle, on va se le dire entre nous, n'en fiche pas une. Elle n'en fiche pas une, cette femelle. Donc, est-ce que Medroth va la garder ou pas? Je vous laisse découvrir ça dans la suite de l'épisode. J'ai une fracture mineure à la jambe, à la patte avant droite, et une fracture majeure à la patte arrière droite, ce qui fait que j'ai un gros nerf sur ma vitesse, moins 10, et j'ai ma stamina qui est drainée plus vite. J'ai quand même tenté de retourner à la carcasse, hein. Elle a l'air d'être toujours là, la carcasse. Parce que si je compte sur la femelle pour m'aider en étant blessée, j'ai pas envie d'élever des enfants avec toi, hein. Je suis désolé, mais tu sers à rien. Hein. J'aurais vraiment dû prendre la petite rousse, hein. J'aurais dû m'en douter qu'elle me mettait le grappin dessus parce qu'il fallait l'entretenir, celle-là. Et mon pauvre Medroth qui court sur ses trois pattes. Oh non, il n'y a plus de carcasse. Oh non, c'est bon, elle est là. J'ai dû la dépasser. Où est-ce qu'elle est, la carcasse? Elle est là. C'est bon. Apparemment, il n'y a plus personne, on peut manger. Eh bah, dis donc. Et là, elle mange. D'accord, donc elle prend... Donc non, elle n'est pas si sociable. Elle prend un bout de viande et elle se casse manger à l'autre bout. Non, il faut pas prendre cette femelle-là. Elle fait table à part, quoi. Elle est charmante, c'est... Non. Medroth peut tolérer que sa femelle soit badass et plus badass que lui. Et en plus, elle finit la viande. Bon, vous me direz, moi, je peux plus manger. Alors, t'en es où, là? Est-ce que t'as assez mangé ou pas? 84%, ouais, ça a l'air d'aller. Oui, il va falloir que je dorme pour me remettre. Là, d'accord, on peut se coucher, on va dormir un peu. Je disais, Medroth peut... Et maintenant, elle veut jouer? Non, c'est bon, elle dort. Medroth peut tolérer que sa femelle soit badass et plus forte que lui et tout ça, mais qu'elle foute rien, par contre. Ça, c'est non. C'est juste non. Oh, c'est joli, les petits nuages qui se pointent, la nuit qui tombe. Ok, j'ai été guéri de ma fracture mineure. Par contre, il reste toujours l'autre. Et donc, j'en suis à combien? J'ai moins 2 en speed. Ça, c'est mes stats de base. Ok, je suis à moins 9. Faut que j'arrive à la persuader de vivre avec moi, mais j'ai pas envie. Si je grogne. Medroth qui est adorable avec sa femelle, toujours, mais... Enfin, c'est pas ma femelle, justement. Elle était à l'essai et elle sert à rien, donc... je ne suis pas content du tout. Mince, je l'ai pas fait à elle. Allez, vas-y. Montre-lui que t'es pas content. Elle s'en fiche, elle le regarde. Ça lui fait ni chaud ni froid. Enfin, ils ont compris. Est-ce que tu souhaites mettre fin à la période d'essai? Oui, parce qu'elle sert à rien. Voilà, et ben du coup, j'ai un succès que vous ne voyez pas. Je vais virer ma caméra. Je viens de débloquer le cœur brisé. J'ai rejeté un mate intéressé. Mais en même temps, on n'a aucun regret, on est d'accord. Hein, elle servait à rien. Allez, va-t'en. Avant que je te fasse la tête au carré sur mes trois pattes. Du coup, on est reparti. Hein. On doit refaire des emotes. Enfin, on doit recourtiser une femelle, je vais avoir l'air beau à draguer sur trois pattes. C'était Miss Je vois rien, je fais rien, c'est ça, Savage, tout à fait. Du coup, elle n'était absolument pas intéressante. Pour notre petit loup, alors, on va aller voir par là-bas. Est-ce qu'on va enfin retrouver Sélénée quelque part, une belle louve blanche? Alors, je vois Alors, les loups qui apparaissent en couleur, c'est les meutes rivales. Là, vous voyez un violet sur ma boussole en haut, c'est un loup d'une meute rivale.
qui est censé être loin, parce que les territoires des violets n'est pas tout proche, mais parfois je me méfie parce qu'ils se promènent pour remarquer les territoires ailleurs. Et si je les croise alors que j'ai ma patte blessée, c'est pas très cool. Alors est-ce qu'une dame daignerait me répondre? Et une bien cette fois, s'il vous plaît. Une femme qui se... Enfin, une femme, une louve qui se respecte. Et qui fait quelque chose, quoi. Ah, ici. Zéro regret, ouais, tout à fait, zéro regret, on est d'accord. Alors, on va aller par là-bas, du coup. J'entends une... Si je retrouve la même, je crois que mes trottines, il va péter un plomb. Encore toi! Mais elles hurlent pas longtemps, les dames, hein. Bon, par contre, ouais, aller draguer sur mes trois pattes, là, c'est quand même vraiment très, très triste. Ok. Il y a une dame par là-bas. Je suis guidée par l'appel de l'amour. On va y aller. Le jeu est plutôt joli, je trouve. Allez, j'ai poussé. Ah, attendez. Ok. C'est une dame. Elle est noire et l'autre est noire aussi. Ok, non, ne bougez pas, les filles. Je vais vous montrer que je viens en paix. Bon, bah là, on va pas hésiter sur le skin. Je devrais pas me soigner avant d'aller draguer. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu. J'aurais pu, Savage, c'est vrai. Ah, il y en a une qui a l'air réceptive. Coucou, je peux m'approcher? Je vais essayer de lui faire un. Qu'est-ce que je peux lui faire? Qu'il soit sympa, un petit. Pour montrer que je viens en paix. Je sais pas pourquoi je perds toutes les animations quand je suis en drague. On peut faire que certaines animations. Bon, elle a l'air assez réceptive. Je vais tenter l'autre là-bas aussi. Bah, au niveau du pelage, on va pas trop hésiter. On a le choix entre une louve noire et une louve noire. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas Séléné. Ah, elle s'approche de moi. Par contre, elles font peur, hein. C'est des sœurs. Elles ont toutes les deux le pelage noir avec les yeux rouges. Attendez, je vais essayer de faire un zoom. Oh non, c'est pas vraiment rouge. Je dirais plus que c'est... Non, c'est ambré, en fait. Elle a des yeux un peu ambrés. Je vais essayer de lui renifler le nez. Est-ce qu'elle veut bien que je lui renifle le nez? Ouais, c'est plus quelque chose de soumission normalement chez les loups, mais ça a l'air de lui plaire. Alors là, le problème, vous voyez, c'est que tout ce que je peux faire, c'est essayer de regarder un petit peu leur façon de réagir. Elle s'est éloignée là-bas. Ouais, soit son sœur, c'est pas possible. Est-ce que ça répond? Elles sont pas vilaines, hein. En termes de... Si je devais choisir quelle esthétique, je pense que je prendrais celle en face de moi. Parce qu'elle est... Je préfère son... Elle est plus noire avec une bande de blanc. Je trouve ça très sympa. Après, effectivement, au niveau du caractère, pour l'instant, je vois pas trop de différence. Ça a l'air de bien passer avec les deux. Je vais retenter sniffer le nez. Ouais. Ça a l'air de bien se passer. Ouais, sur les besoins du RP, Séléné se fera un plaisir de la tuer. Ah, si elle trouve mes drottes avec quelqu'un d'autre, ouais, mais si c'est la mère de ses louveteaux, peut-être pas quand même. Je sais pas, j'ai mes drottes, il est traumatisé, j'ai encore peur de me tromper et d'avoir encore affaire à une incapable. Parce qu'elles sont mignonnes toutes les deux, mais je sais pas laquelle serait la mieux en termes de comportement. Je vais essayer de renifler encore le nez. Alors, celle-là, la 33F, je trouve qu'elle est... Elle s'éloigne quand même beaucoup, mais en même temps, elle revient me voir. Ah là, c'est difficile de choisir. Après, je suis pas obligé non plus de prendre une l'une de ces deux-là. Je peux peut-être essayer de trouver encore une autre louve. Je suis un peu... On va voir si quelqu'un d'autre me répond. Désolé les filles, mais... Je suis pas sûr que... Alors, je vais aller voir par là-bas. Je reviens les filles. Si j'ai pas trouvé mieux, je reviens. C'est horrible. Non, évidemment, mes droites, ne dis pas ça. Je vais voir si c'est pas, si c'est pas une jolie louve blanche que je connais. Allez, réponds-moi s'il te plaît que je puisse te retrouver. Je sais qu'elles étaient vers le sud-ouest, les deux autres femelles. Elles me répondent plus. Ah, ici. C'est qui ça? Non, ça c'est un lapin, je pense. Bon, c'est un lapin, mais aïe, aïe. Je suis prisonnier d'un sapin. Peut-être que ça pourrait marcher. Je vais essayer de chasser et de ramener. Ah ouais, mais si j'ai une proie dans la gueule, je pourrais plus hurler. J'allais dire, je vais offrir un lapin. Ça avait l'air de bien fonctionner d'offrir des lapins aux dames. Mais à chaque fois, je vais devoir poser mon lapin pour hurler, donc ça va être un petit peu embêtant. Je vais tenter, tant pis, de draguer sans nourriture. On ira au restaurant après. Déjà, on fait connaissance. Et pourquoi plus personne ne me répond? Les filles sont vexées, c'est ça? Ah, si, c'est bon. Par là-bas, et elles étaient... Ça... De... Par ici? Non, elles étaient au nord-ouest, elles ont peut-être bougé. Hein. Allez, je suis perdu. Je suis perdu, j'ai trop tourné sur ma boussole, je sais plus.
Je pense que c'était par là. Donc là, on va vers l'est, ok. Répondez-moi, mesdames, s'il vous plaît. C'est marrant parce que Medrot est censé avoir les yeux ambrés, mais on dirait que sur son avatar, il a les yeux bleus. C'est trop bizarre. Dans Créer un loup, il a les yeux dorés, Medrot. Attendez, il y a de l'eau. Je vais boire de l'eau parce que quand on boit, ça, vous allez voir, la barre verte va augmenter. Ça monte ma stamina. Vous n'avez pas besoin de boire dans le jeu, mais quand vous buvez, ça vous permet d'avoir un peu plus de stam. Donc j'aime bien m'arrêter à la rivière, puis c'est RP aussi de boire un peu. C'est dommage qu'ils aient pas fait le fait de gérer la soif. Ah, oh, une louve blanche! Mais voilà, c'est toi, Séléné? Je suis pas sûr, hein. C'est peut-être un mâle, en fait. Je vais tenter d'être sympa. Mince. Attendez. Là, il y a... Oh, elle est belle, elle. Oula, il y a un mâle. Mais j'en peux plus. Pourquoi toutes les louves blanches sont avec des mâles? Vous me direz, c'est RP. Il est où? Il est où? Il est là. Je vais t'avoir, je vais t'avoir, je vais t'avoir. Sur mes trois pattes, mais je vais t'avoir. Voilà. Il a toute sa vie, il est sur quatre pattes. Je pense que conquérir une femelle, ça va peut-être être compliqué. J'aurais peut-être dû aller me soigner, en effet. Non, 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 j'arrive même pas à me débattre. Bon, attendez, je vais déjà... Non! Oh là là. Ça, c'est bon. Aïe, 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 la vie. Oh, je suis encore fracturé. C'est bon, c'est bon, c'est bon. T'es le plus fort, t'es le plus fort. Je m'en vais, est-ce qu'il me suit? Ça a l'air d'aller. Non, il me suit. Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu as les deux filles. Tu as les deux filles. Ah, laisse-moi, c'est bon. Ok. Bon, bah vous savez quoi, Medrot va se coucher là, dans ses fleurs, et pleurer sur son sort. Bah oui, il avait trouvé sa muse. Sa muse. J'ai tellement l'habitude de... Oh! Le mâle est parti et les femelles sont venues chercher Medrot. Elles ont eu pitié. Elles ont eu pitié. Mais oui, il a trouvé sa muse. Sa muse, je vais y arriver. Il faut que Muse arrête de parasiter mes pensées et le groupe anglais, là, parce que j'adore. Forcément, dès que je lis Muse, je dis Muse. Mais ce qui est très bien, c'est parce que du coup, c'est RP, puisque Séléné est censée faire partie d'une meute rivale. Et là, les filles reviennent. Elles sont belles toutes les deux, en vrai. Hein. Sauf que là, c'est plus Séléné qui m'intéresse, du coup. On va tenter. Désolée, la petite louve noire et blanche, elle est magnifique, mais. Ouais, Séléné, elle n'est pas convaincue. Hein. En même temps, bon, je peux comprendre. Tu vas me répondre? Tu fais quoi? Bon, en attendant, on va juste montrer qu'on est amical envers l'autre. Elle me répond pas, Séléné, elle regarde. Elle a 2 ans, l'autre, elle a... Ah, attendez, il y a un autre truc à prendre en compte, que je remarque. C'est la diversité. Vous voyez les étoiles? Il y a le petit cadre avec l'identification de la louve que je drague. Et vous avez diversity avec des étoiles, et forcément... donc oui, ok, on continue. Ah! Elle arrive, elle répond, elle fait quoi? Elle me regarde de façon... On va essayer de se renifler. On se reconnaît. J'allais dire, elle me fait pas de cœur, si c'est bon. Et donc, plus vous avez de diversité avec l'étoile, plus vous avez de la chance d'avoir des... Je vais trop vite dans ma drague. Elle me regarde. Oui, j'ai vécu des choses difficiles. Elle est vraiment belle, sa copine. C'est une copine de sa meute. Et donc plus vous avez de chance quand vous avez beaucoup d'étoiles d'avoir une portée de louveteau qui sera... Alors je crois que c'est qui sera moins sensible aux maladies. Et donc ça peut être intéressant. Et peut-être qu'il y a sans doute d'autres choses. Peut-être vous pourrez avoir plus de chances d'avoir certaines couleurs de pelage et tout et tout. Ça je sais pas, je suis pas spécialiste du jeu. Faudrait demander à notre ambassadrice sur la croisée, à Lumi, qui connaît très très bien. Bon, elle a l'air un peu triste, Séléné, hein. Et on va essayer de lui remonter le moral. Voilà, on joue. J'ignore totalement, totalement l'autre. Hein. Je sais pas où elle est là. Elle est partie, non, elle est là. La pauvre. Ok. Oh mince, il est parti renifler le nez de l'autre. Bon, c'est pas grave. On fait connaissance aussi avec son amie, qui est très mignonne. Mais c'est Séléné qui nous intéresse, donc on va tenter. Arrête de te cacher derrière les arbres, Séléné. Alors j'espère que Séléné aura un comportement cool. Ouais, il est super complet le jeu. Après, le seul truc que je regrette, c'est que... Mais vous verrez, on va quand même pouvoir faire un sacré let's play. Mais c'est que pour l'instant, les petits en mode solo... Donc là, on va... Si c'est bien Séléné, on va voir son comportement après. Ah, moi, je suis en train de draguer l'autre. C'est une erreur, Séléné. Je te promets, c'est une erreur. C'est quoi là-bas? Oh, il y a plein de... Il y a tout un troupeau. Elle est où, Séléné? Vite! On se met en couple et on va chasser. Viens! C'est quoi? Oh, il fait un câlin! Oh, il est trop mignon! Oh, j'avais jamais vu! Ah, elle est in love, c'est bon. Et ben voilà, c'est parfait ça!
C'est que nos petits. La copine, elle tente. Mais non, je suis désolée, c'est pas toi qui m'intéresse. Elle me fait de la peine, je suis obligée de la repousser l'autre, mais. On va retenter de faire un petit câlin, voilà. Oh, elle est trop mignon ce. Bon, là, c'est un peu raté, il a la tête un petit peu à côté. C'est que on va avoir des bébés, mais ils pourront pas grandir au-delà d'un. Au-delà d'un certain seuil de croissance. Donc du coup, on pourra quand même jouer avec eux parce que s'ils survivent, le jeu va les enregistrer. Donc oui, je prends Séléné. Youpi, on a trouvé Séléné. Ça c'est cool. Alors j'espère qu'elle va un peu plus m'aider. J'ai vu qu'il y avait de quoi manger à côté. C'est quoi ça? C'est des pattes de loup. Faut qu'on suive le troupeau. Il y avait un troupeau par là. On va essayer d'aller chasser ensemble.